Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Death Door. On continue. On était arrivé dans la dernière zone sur papier. Et on avait trouvé deux des corbeaux morts sur quatre. Il va falloir trouver les autres. Voilà. Alors, par où qu'il faut que j'aille? Parce que là-bas on y est allé, hein, si je dis pas de conneries, oui. Faudra probablement tomber du plafond, d'accord. Est-ce qu'il y a un truc au sol que j'ai pas vu, non? Ouais, non, je pense qu'il va nous falloir un grappin ou un truc du genre. Qui nous permettra de nous accrocher à ces croix là qu'on trouve un peu partout. Pâté, je travaille pour un poulet. Est-ce que tu peux dire que tu en as assez de travailler pour pâté? Du coup, tu en as pâté enough. Ne me remerciez pas. Une blague de merde, non. Non, j'en ai marre, vous me victimisez. Pas vraiment, j'aime bien servir en tant que TP. Mais ouais. C'est vrai que ton nouveau poste est déjà un peu plus plaisant. Note que j'ai pas souligné la blague. Bah si, tu viens de le faire du coup. Oh oh. Eh ouais. Tu as souligné la blague, que tu l'as relevé, parce que tu l'as trouvé cool, et que tu n'assumes pas. Non, il n'y avait pas de surligneur. Si, c'était le surligneur rose. Le meilleur. Par contre, j'ai un peu l'impression d'avoir été partout. T'as pas un indice, toi? Je t'emmerde, tu sers à rien. Useless au possible. Ah, attends, j'étais allé ici ou pas? Ça me dit rien du tout. Non, si j'avais pas cassé ça, c'est que j'y avais, pas été. T'as parlé en anglais, mon cerveau a bugué. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, il va falloir allumer 4 cierges. Très bien. Ceci est notre dernière demeure, celle des maîtres des portes. Je suis maître du Péné. Ok. Et cette crypte porte mon nom. Est-ce qu'on peut dire que j'ai peiné dans ta crypte? Es-tu triste? Es-tu un peu peiné? Ok, j'arrête. Ça va, ça va, ça va, j'ai le droit de... J'ai le droit d'être heureux, merde, j'ai le droit de faire des blagues. Les maîtres des portes étaient une anomalie. Une erreur de l'univers, pourrait-on dire. Mais n'est-ce pas là une description pertinente de la vie? Une erreur dans l'univers, qui grandit et prospère. Une existence née de la conscience. Et préserver
Et préserver cette conscience, c'est le but le plus noble et le plus grand. Tu cherches un peu loin, Maurice. Ah, je peux pas encore aller par là. Si t'as une voiture, t'as des bougies. C'est vrai. Du coup, c'est un peu tout le temps ton anniversaire. Oui, ça va falloir que je me remette un peu en mode esquive. Moi, je lance le jeu comme ça, tranquille. Je me rappelle pas comment on joue. Ok. Comme je le disais, il va falloir que je me remette un peu en mode esquive. Oui, exactement. Aïe aïe aïe, j'ai mal au coude. J'ai toussé. Ah. J'espère que tu n'es pas malade. Par le feu, gros naze. Maurice le poulet? Peut-être. Enseveli avec les anciens maîtres, certains en seraient honorés. Moi, je trouve ça tragique. RIP. Ça va ouvrir la porte. Nice. J'aime bien le fait qu'on ait pas des dégâts de chute. C'est vraiment un truc que j'aime bien dans les jeux vidéo. Pas avoir de dégâts de chute. Parce que c'est un gain de temps. Ah. C'est sympa ce petit énigme. C'est sympa parce que c'est pas chiant non plus. Genre tu comprends relativement vite. Ça te demande pas d'être trop rapide. Donc du coup j'aime bien. Voilà, j'ose le dire, j'aime bien.
Voilà, le petit aller-retour fait un peu chier. Aïe, vilain. Aïe. Aïe, mais quel nul. Je suis un nulos. Hashtag nulos. Vous êtes mort. Pas limite que le jeu était... Vous jouez mal. C'est une merde. Votre famille vous déteste. Bonsoir, Omi. Comment vas-tu? C'est bien qu'il manquait, du monde. Ah! Je t'accueille comme il se doit dès que je peux. C'est-à-dire pas maintenant. Aïe. Et du coup, bonsoir à Omi. Comment vas-tu? Et je sais pas pourquoi ça me met encore cette voix et que... Je sais pas. Mais bref. Waouh! Ça va? Ah, pourquoi l'autotune il met une voix aiguë aussi? Je sais, j'ai dû trop vous manquer. Effectivement. Premier successeur de la lignée. Son ascension au pouvoir fut sans histoire, et son règne égalitaire. On se souviendra de lui comme un chef équitable, qui a offert les meilleures conditions de travail aux faucheurs. Et la dernière âme. Ma vie s'achève. Mais ce maître veut vivre éternellement. Je trouve ça injuste. T'inquiète pas. Il ne va pas vivre éternellement. Comment je vais de l'autre côté? J'ai eu peur que Mass Effect ait commencé sans moi. Non, ne t'inquiète pas. Je sais que j'ai deux personnes à attendre pour Mass Effect.
Ah d'accord, ça m'a ramené ici. Un peu décevant. Sois prudent, faucheur vivant. Let's go. Allons chercher le dernier des quatre pouvoirs. Direct. Ah! Touché par le son qui diminue. C'est assez classique, mais je trouve que c'est plutôt cool et ça ne sort pas du jeu. Okay. Quoi ? Qu'est-ce qui m'a touché ? C'était tellement injuste. Le dernier coup, ouais, mais le troisième coup, j'ai pas du tout compris d'où il venait. Je crois que j'étais à côté de la flamme qui s'est allumée et que ça m'a cramé la gueule. Si c'est le cas, c'est un peu injuste. C'est pas juste, j'ai esquivé. C'est pas cool. Bon, on n'est pas dedans ce soir. On est pas dedans. Mais. Putain.
Et ne t'inquiète pas, Omi, hein, t'es pas obligé d'être là à l'heure tous les jours. J'ai réussi. Exactement ce que je voulais faire. Un cadeau d'un collègue Corbe pour t'aider dans ta quête. Sorte de grappin obtenu. Oh yeah, comment je suis trop fort. L'avait dit. Un journal abandonné par un faucheur. L'événement des portes, des anciennes portes a sérieusement freiné mon enquête sur la disparition des faucheurs dans la région de Censuré. Les opérations de transfert vers le nouveau système étaient un vrai cauchemar. J'ai trouvé la preuve que de nombreux employés étaient encore actifs dans la région quand on a donné l'ordre de rompre contact. Le plus inquiétant, c'est que la mission en cours dans la région a été purgée du système. Quelque part, là-bas, une âme n'a pas été récoltée à temps. C'est la catastrophe assurée. On sait tous ce qui arrive à une âme si elle reste en vie après sa mort. Si obligé, sinon tout le monde est triste et on n'aime pas être triste. Ah ouais, bah dans ce cas, je suis très déçu que tu sois pas venu. Ah, ça coûte pas de mana, ça c'est cool. Du coup, Omi, je t'en veux extrêmement pour ton retard alors aussi. Si tu préfères ainsi. J'ai à me frapper de ta part. Horrible. Pas ça. Après je vais m'en vouloir et tout. Le marin échoué. Castel du Péné. C'est parfait. De redescendre. Nul. Tu m'en veux déjà, tu peux pas t'en vouloir aussi. Nouvelle règle. Je refuse cette nouvelle règle. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tout. Putain, je me souvenais d'un chemin et ça me sert à rien. Deck. Je vais te bouder. Écoute, on sera deux à m'en vouloir hein, comme ça. Attends, est-ce que j'ai attiré un petit pote? Hmm.
fuis la tristesse. Pas des pots dans le coin. Mon chat t'envoie des ronrons. Ah, c'est gentil que ton chat envoie des ronrons à Omi. Chier, parce que là j'ai besoin de flèches. Je suis une flèche. Tous. Merci d'applaudir ce jeu de mots. Fléchir. Bien joué. Je suis au sol et tu me piétines encore. Bah oui, c'est plus simple. Piétiner quelqu'un qui est au sol, c'est quand même vachement plus simple. Je comprendrai jamais. Alors. Attention, hein. Les références à la Marseillaise sont interdites sur ce stream. Hashtag dictature, je sais.
Je n'ai pas eu une vie facile. Je devais préserver l'équilibre de l'univers. C'était mon devoir. Le maître qui m'a créé croyait au destin et à la raison d'être. Mais ce n'est pas le destin qui m'a enchaîné à la porte des morts. C'est le devoir. Hercule. Ah. Pardon. Nul autre n'était de taille à pouvoir contrôler la vie et la mort. Alors, j'ai porté ce fardeau. Je l'ai porté aussi longtemps que j'ai pu, bien au-delà des limites de ma vie, définies par cet anachronisme pitoyable qu'est la mort. Quand mon heure est enfin venue, mon successeur n'a pas tenu compte de mon enseignement. Je crains que son règne n'ait rompu l'équilibre que je me suis donné tant de mal à maintenir. Ce fut une amère déception. La grandeur n'est jamais gratuite, Corbeau. La vraie grandeur peut même te coûter ton âme. Oups, désolé. Bah, quoi, oups, désolé. Soit tu le mets parce que il fallait le mettre, soit tu le mets pas. Y a pas de oups, désolé qui tienne. Tu as trouvé une sorte de contrat signé. Alors ça, c'est formidable. Ok. T'inquiète, hein, c'est fait pour ça. Alors, hop. Aha. Ah. Nice. Donc il en reste un. Mais où peut-il bien être ? Mon poussin. Regarde ce qui est devenu ta vie entre les mains de notre chaos. Je n'ai jamais été convaincu qu'il fallait préserver le cycle de vie et de mort. Chaque maître crée celui qui lui succédera avant sa mort et lui enseigne la voie des maîtres. Mon créateur, le maître avant moi, m'a enchaîné à son système. Je ne pouvais qu'essayer d'être juste pour maintenir l'équilibre du monde. J'ai essayé de bien agir avec les vivants, notamment les corbeaux, enrôlés dans une histoire qui ne les concernait pas. Si l'occasion se présente, petit poussin, il faut mettre fin à ce cycle pour le bien de l'univers. Ma vie fut trop courte pour que j'en arrive à cette ultime conclusion. Mais j'espère que d'autres le feront de leur côté. C'est beau. C'est beau ce que tu dis là. On va essayer. Bon, moi à la base, j'ai rien demandé. Thank you.
Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment l'horaire le problème ? Moi, je suis pas sûr. Va manger une tarte aux champignons. Mais avec grand plaisir. Ça peut être super bon en vrai. Petite tarte d'ammonite tu mouches. Je te salue, jeune faucheur. Ta présence ici est une véritable énigme. Elle inquiète. Elle indiquerait que des événements qui ont commencé... Elle indiquerait que les événements qui ont commencé par la formation de la Porte de la Mort ont conduit l'univers face à un grand danger. Cependant... Elle indique aussi que ses actions se corrigent d'elles-mêmes. La vie, ce n'est que l'univers qui se découvre lui-même. Et comme l'univers tend vers un équilibre parfait, nous, qui en faisons partie, agissons tous pour le maintenir. Reste sur la bonne voie, jeune faucheur. Ton avenir sans la victoire. T'emballe pas trop. Courage. J'allais te le proposer justement, c'est gentil. Donc avant de descendre, j'aimerais bien juste aller faire un petit tour à l'extérieur. Savoir si on peut récupérer l'arme qui est sur le côté. Parce que là-bas, il y avait une arme qui avait l'air cool. Accompagnée de poissons ballons. Ah ouais, mais carrément. Saupoudré de morora. Nickel. Bon petit cocktail. Les murs ont des points faibles, invisibles à l'œil nu. Sous un passage en bois, un secret n'attend que toi. Ouais, est-ce que... En fait, je peux m'accrocher à eux, mais c'est un peu dur à viser. Oh, sympa ça. Bah bon... Baroudage. Ah. Quel coup. Merde, j'ai pas vu qu'ils étaient deux. C'est ça.
Aïe. Je vais faire Lille Amiens. Ah, c'est pas mal déjà. Je suis jamais allé à Amiens. Mais il paraît que c'est pas mal. Pour aller ici, il faut trouver un mur, un passage secret qui n'attend que moi. Sous un truc en bois, apparemment. Derrière deux colonnes jumelles se cache un secret. Deux colonnes jumelles. Ouais. Là, c'est plus compliqué déjà. Oh shit. Ah oui d'accord, ce fut rapide. Tu es mort. Dis le jeu, il oublie juste de préciser grosse merde après. Eh hey, viens là. Ça pour un nounours quoi. Tu as trouvé un nounours crado. Il serait mignon s'il n'était pas aussi crado. Ça se tient. Voir s'il faut pas que je rappuie ici. Ah non, ça. Donc maintenant il faut que je trouve des colonnes jumelles. C'est rien. Non, est-ce que. Attendez. Attendez une minute. Mauvaise idée. J'ai vu une échelle à un endroit, mais je sais pas comment y accéder.
Regardez derrière la tour là qui va apparaître, vous voyez, il y a une échelle. Mais comment j'y vais? Comment je fais pour aller derrière? Ah, attendez. Les colonnes jumelles, c'est ça. Nice. Les murs ont des points faibles, invisibles à l'œil nu. Là où regarde un visage géant, un secret t'attend. Ok. Oui, je sais où il est. Merde, c'est là-bas. Les murs ont des points faibles invisibles à l'œil nu. C'est sous une gargouille qu'il faudra que tu fouilles. Hein. Ah, la gargouille, par contre, je sais pas où elle est. Ça ne me dit rien du tout. Non, parce qu'après là je retourne dans le donjon, donc c'est pas ce que je veux. Bah merde. Ah, je me suis fait mal tout seul. Bravo. Donc ça c'est pas vraiment une gargouille. En tout cas, on a déjà balancé une bombe là-dessous. Bah flûte alors. On est à 3 sur 4. C'est chier ça. Ouais, bah écoutez, non, j'ai pas d'idée, désolé.
Oh, je pensais pas monter, je pensais descendre. C'est trop beau. Nouvelle porte. Bienvenue au camp des corbes libres, mon vieil ennemi. Nous savions que tu arriverais jusqu'ici, même s'il a fallu te guider un petit peu sur le chemin. Nous sommes une volée de libres penseurs et nous rejetons les idées du maître des portes. Nous ne voulons pas d'une immortalité contre nature. Si c'est au péril de notre vie, à quoi bon vivre éternellement si c'est pour être un esclave? Non, nous voulons vivre libre et mourir libre. Alors va, grimpe encore plus haut, terrasse la bête au sommet de la montagne et prends-lui son âme. Oh! Et prépare-toi bien avant de poursuivre ta route. Et n'oublie pas, tu seras toujours le bienvenu ici. C'est gentil. Le corbeau du présage, c'est un honneur. Le corbeau du présage, c'est un honneur de vous rencontrer. As-tu découvert certains de nos hôtels au cours de ton périple? Il semblerait qu'il reste encore 11 hôtels à découvrir. Je suis sûr qu'ils t'aideront dans ton voyage et ton combat contre la bête en haut de la montagne. Ah putain, il me reste autant que ça à trouver. Vache. J'en ai raté tellement plein. Bonjour, corbeau du présage. Voici la porte du savoir. Ses yeux voient tout, son cœur sait tout, et son âme est en toute chose. Elle nous guide quand nous en avons besoin. Elle prédit ton avenir et ton destin. D'accord. Attendez, j'arrive, je bois de l'eau et je reviens.
Et Mino, j'ai bien reçu ton message, je réponds dès que je peux. Allons terrasser ce vil maroufle. Oh, bah te revoilà toi. Oh, Mazette. Et c'était une sacrée grimpette pour arriver jusqu'ici. Ça m'a coupé le sifflet, dis donc. Mais toi, Korbach, tu bois du petit lait, pas vrai? Et c'est vrai, quoi. Une société secrète de corbeaux dans les montagnes. Qui l'eût cru? Ils ont tellement d'histoires à raconter sur leur vie ici. Surtout sur la bête en haut de la montagne. Oui, je suis hyper inspiré par notre aventure. Je crois que ma prochaine chanson sera la meilleure de toutes. J'en ai déjà écrit 5 ou 6. Bah les couilles. Désolé, mais à un moment faut le dire. J'ai envie d'aller voir par là. Ok. D'accord, faut faire gaffe. Ah, ok. Nice. Ça va être chaud. Non. Non, en vrai, c'est pas facile. Putain. Fistre de diantre. Mais ah putain. Il veut pas la tirer tel Legolas. Ça pourrait être mon surnom, Legolas. Mon ego est fatigué. Est-ce que je peux pas tricher et l'atteindre d'ici? Merde. Au fait, c'est du free-to-play ou t'as un jeu à payer? Ah non, c'est le jeu, il est payant. En même temps, vu le taf qui a été fait dessus, encore heureux qu'il soit payant. Il est à 16... Il était à 16 euros sur... Merde. Sur les premiers jours. Et sinon, je crois qu'il est à 20. Oh, ça va. Oui, oui. Bah, c'est souvent le prix hein, pour les jeux indés. Eh merde. RIP. Mais je veux passer cette zone. Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant à la fin. Oui, le prix suit en fonction de l'importance du studio.
Or pas que... Bien. Je pense qu'il y a des... Ça dépend aussi de la durée de vie, ce genre de choses. Merde, j'avais réussi, je suis trop con. Les indépendants ont pas trop de mal à se faire connaître. Bah de plus en plus, les indépendants en fait s'allient à des grosses boîtes. C'est pour ça que tu vas avoir certains jeux indépendants qui vont sortir que sur une console. Ça, ensuite, bah, la console en question les met en avant. Et merde. Hop. Cool. Ah oui. D'accord. Ah, ça va être un calvaire ce truc. C'était presque. Mais ça va, ça a pas l'air. Ils ont l'air d'avoir laissé quand même un peu de temps. Ah, flûte. Pas de nouvelles de Clem, pas encore. Mais bon, il est à peine 21h, je ne m'inquiète pas. Yes! T'as été chiant à avoir celui-là. Oh! Fragment de vitalité. C'est mon quatrième. On a maintenant un truc de vie en plus. Ça, ça fait plaisir. Ça valait le coup de faire le détour. Il y avait une porte. J'ai quand même l'impression qu'il y avait une porte secrète. Hein. Oh non, casse pas les couilles. Oui, j'ai cassé un truc de glace. Rien ici à casser. Sapristi. Nom d'une grenouille. Ah, c'est vrai que nom d'une grenouille, ça passe aussi. Si je fais ça, est-ce que ça me le rend? Non. Ah, bon, c'est pas grave, je sais où aller pour recharger ça. Mais au moins, je l'ai vu. Je suis pas passé à côté. Ça, c'est cool. Je suis remis à faire du courrier, ça fait bizarre. Pourquoi tu refais du courrier? Des échanges de Panini Euro 2020. Aïe 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 aïe. Bah, si je rate en plus. Il a trouvé un médaillon brillant. Quelle trouvaille!
Mais vous avez le droit de me juger et de lancer des cailloux. N'exagérons rien. On se contentera de te juger. Ça va illuminer ta journée. De me moquer? Non, je suis pas comme ça, voyons. Si. Si, ouais. Ah! Oh. Non, le caillou brillant. Ah oui. Oui, ça oui. Ah, ça sent le boss. Ce que me dit le jeu est pas bête. C'est en train de nous faire comprendre le jeu n'est pas bête du tout. Cette petite salle qui devient de plus en plus colorée. Méchant. Non, je vois pas de quoi tu parles. Quelqu'un d'adorable. Mais... Ouais, tu veux jouer aux bombes? Tiens. Eh ouais, mon con.
bigre. Il fait un temps pourri par ici. Souvent on m'empêche presque de chanter. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Surtout maintenant que la bête est si près. Je me demande de quoi elle a l'air. D'après les corbeaux, ce serait un vrai monstre. Pleine de poils et sauvage. J'ai hâte de te voir te battre avec elle. Merci. Ça a marché. Vous êtes mort. 21h12. Déjà venu ici. Je suis carrément déjà venu ici. Voilà. Peut-être pas ici.
c'est fun. Je m'en sors pas toujours bien, mais il y a des moments où ça passe. Clem, comment vas-tu? J'espère que ça va et que tu as passé une bonne soirée. Nous t'attendions. Comment ça va? On est bientôt au nouveau boss, si je ne me trompe pas. Après quoi, on commencera Mass Effect, comme promis. Et on a bien eu un grappin. Permet notamment aussi de m'agripper aux ennemis pour leur foncer dessus, et c'est bien pratique. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux aider? Je disais que ta soirée soit mal passée. Rassure-toi, Mass Effect arrive bientôt. Je te remonter le moral. Ah mais ça n'en finit pas. Ah bah super, ça fait super plaisir. Bah attends, je lis ça dès que je peux. J'espère qu'il y a eu un retour à l'envoyeur également. Et nous y sommes. Voilà la bête. J'ai le cœur qui bat la chamade. Tu vas te battre contre elle? Je vais rester à distance et prendre des notes pour ma chanson. Et bonne chance, hein. Merci. C'est super sympa. J'étais sûr que ce sera un Yeti.
Ah d'accord, ça démarre comme ça. Le moment où je suis censé lui taper dessus. Donc pas maintenant. Ok. Ça, je l'esquive comment? À chaque fois, je me prends un coup. J'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment je suis supposé esquiver cette attaque. Ah mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il me faut 800 et j'ai que 600. Je croyais que j'étais mort. Je comprends pas. Thank you.
ultra frustrant. Cela dit, j'ai l'impression qu'il a moins de vie que les autres. Je peux peut-être essayer de lui faire un gros truc de départ. Non. Je suis tellement deg d'avoir raté la première. Mais... Aïe. Mais comment j'esquive ? Mon kikine. Je ne cesse de vanter les mérites de ce jeu, parce que je dis qu'il est dur, mais au moins je comprends. Et elle, vraiment, je la comprends pas. Yeti de con. Allez, viens. Allez, Betty. C'est dommage qu'elle se fasse pas mal avec ses propres trucs. Allez, on y retourne.
Alors oui, je comprends pourquoi je me prends la roulade, parce que je vais dans le même sens, mais j'ai l'impression de mettre sur le côté, et du coup ça me frustre. Et quand je la rate à 2 cm, j'avoue, ça me agace. Ah, mais Betty, mais Betty, Betty, Betty. D'accord, là tu m'as eu aussi. Ah putain, mais non! Non mais putain, mais il change, elle change de direction des fois. Désolé Betty, je t'aimais genre. Mais comment elle fait des roulades comme ça? Elle commence dans un sens et elle continue dans l'autre. Une roulade c'est tout droit, hein. Tu changes pas de direction pendant une roulade, personne sait faire ça. Allez, on se calme et on se concentre. Après ça on passe à Mass Effect, promis, mais j'ai pas envie de m'arrêter alors que je suis au début d'un combat. Et je suis le seul à la voir tourner ou pas? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. Hop. Là, c'est bon. Non. Mais... t'allais pas dans cette direction-là! Pas le seul, merci. Le problème c'est que moi je peux pas changer de direction quand je tourne, donc je vais juste me faire foutre. Mais... oh putain. Est-ce que je fais pas ma roulade trop tôt et peut-être que si je fais ma roulade trop tôt, elle a le temps de changer de direction, je sais pas. Mais ça devrait pas, enfin, c'est pas cool. Hein. Je vais me laisser mourir parce que là j'ai perdu trop de vie alors qu'elle, elle a rien perdu.
peut-être ça, je la faisais peut-être trop tourner en boucle. Hop. Non, là je suis allé dans le mauvais sens. Là, tu m'as pas laissé le temps. Et voilà, et là je suis énervé, je suis mécontent. Parce que je me suis pris deux coups d'un coup. Voilà. En fait, faut que j'arrête de me déplacer en faisant des roulades. Parce que du coup, en fait, je suis encore dans l'animation de roulade quand elle, elle fait la sienne. Ok. Voilà, s'il te plaît. Tu fais chier la petite. Yes! Ah, j'y crois. Pardon! Pardon! mais pourquoi? Quoi? Je pleure pour toi. Mais j'ai surtout du mal à comprendre ce qui s'est passé en fait. Est-ce que je suis mort parce qu'elle m'est tombée dessus en mourant? Je crois que c'est ça. J'ai pensé, mais c'est bizarre. Bah ouais, carrément. C'est trop chelou. Alors c'est un peu drôle, mais sur le moment ça me fait pas trop rire parce que j'étais content d'avoir trop. Coup fatidique synchronisé, non, parce qu'il y a eu vraiment le début de son animation de mort à elle, on est pas mort en même temps. Ah, j'ai mal au poignet. Voilà, je me la suis trop pété en fait lors du dernier combat de boss. Ouais, je l'ai tué en une fois et tout. Puis j'ai encore fait l'affront de dire au jeu tout à l'heure que des fois je me débrouillais pas mal.
comprends pas, parce que des fois elle tombe et elle me fait pas mal, et des fois elle tombe et elle me fait mal. Donc j'ai pas l'impression qu'elle me tombe particulièrement plus dessus. Et du coup je suis perturbé. J'espère que vous vous éclatez à voir ce combat en boucle. Putain, je tire pas assez vite les boules de feu. Je crois que je vais arrêter avec les boules de feu, on va passer à l'arc. Parce que pour moi, ça, ça tire vite. Après, ça peut se prendre 15 000 coups. Mais ah, tu me fais ça. Sache. Pire qu'un jour sans fin. Merci de me rassurer. Aïe 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 aïe. Au moins dans un jour sans fin, il meurt pas. En fait, il faut juste que je lui fasse des boum sur la tête, comme ça ce sera Betty Boop. Pas au pattern où elle tire ses... En fait c'est un pattern de patience. C'est ça que... Ah putain, mais arrête de parler. Non, tu es streamer, tu dois parler en même temps. C'est ton but. C'est un pattern de patience, et j'en ai pas. Si jamais vous êtes toujours là dans la VOD, n'hésitez pas à aller à la fin de la VOD, parce que c'est la dernière chose que vous faites aujourd'hui. Si vous voyez qu'il reste une demi-heure, un conseil, faites avance rapide. Ah.
Oh, mais là, elle était trop loin. Mais... Je me gaffe. J'y étais presque. Allez. Trop gourmand. J'ai mal encore à estimer la... jusqu'où elle va sauter. Là je me laisse mourir parce que là par contre je me suis vraiment fait atomiser dès le départ. Mais par contre on vient d'obtenir le grappin mais je vois pas trop en quoi sur ce combat là il nous servira à quelque chose. Par contre en vrai le feu... Il y a plein de poils. Ça devrait lui faire super mal. Pas trop bon là. Fois je me prends sa boule. Si je commence même à me prendre, les trucs qui m'ont jamais touché. Voilà, je le... Je ne pourrais tellement pas le dire. Mais je le sens même. Donc là, on se bouge. C'est bon, on me tue pas. J'ai le droit à ma cinématique. Yes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour pleurer la perte de Betty. Pour certains, c'était une déesse vénérée. Pour d'autres, une bête sauvage et indomptable. Et pour quelques-uns, un amour à la beauté radieuse. Après une longue vie au sommet de la montagne, prodiguant sa fourrure et une mort précoce aux gens du coin, elle repose désormais en paix. Inclinez-vous en sa mémoire, rendez-lui un dernier hommage. Son temps dans ce monde est révolu. RIP Betty. Désolé. Elle était toute mimi. Et elle est morte. C'est un moment merde.
vais juste aller m'acheter une amélioration. Et après ça, nous passons à Mass Effect comme prévu. Avec un peu de retard. Je m'en excuse. Hashtag déso. Attendez, est-ce que je suis déjà allé par là? Tu as trouvé un modèle réduit de porte de faucheur. Elle ne fonctionne pas. C'est probablement une maquette fabriquée pour évaluer le potentiel des portes modernes que les faucheurs utilisent aujourd'hui. On dirait un journal abandonné par un faucheur. J'en ai marre de ce boulot. Et j'ai trouvé les notes des enquêteurs qui s'intéressaient à la disparition des faucheurs et à la fermeture de toutes les portes actives. Ce maître des portes se fiche pas mal des corbeaux. À quoi bon tout ça? J'ai convaincu d'autres faucheurs de se joindre à moi. Nous partons vers une région interdite pour voir ce qu'il y a là-bas. J'espère pouvoir commencer une nouvelle vie, loin de la commission. Un nouveau défi nous attend. Je suis triste. Oh mais non! Mais Betty a eu une longue vie. Ne soyez pas triste pour Betty. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Death Door. Merci de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous, soyez forts, braves et beaux. Et à la prochaine!